Et bonjour, bonjour, amis vampires. Je suis bien content de vous retrouver pour cette seconde partie, qui ne sera à mon avis pas la dernière, même si on a avancé dans le livret de règles pour cette découverte des règles de Chapters, Vampire la Mascarade Chapters. Évolution depuis hier, eh bien écoutez, ma foi, j'ai fait les sous-couches pour toutes les figurines, même pour mes deux boîtes de personnages non-joueurs et les figurines exclusives, ça s'est fait. Et puis j'ai attaqué gentiment la peinture sur arène du clan Gangrel. Donc je respecte au maximum, comme d'hab, hein, ce que l'on voit en visuel, c'est-à-dire qu'elle elle est plutôt en jean. Elle est bien vénère, hein, cette petite arène. J'ai fait monsieur... Ah oui, qui est bien tendu, le Malkavien, enfin c'est pas un Malkavien, pardon, il appartient au clan Malkavien, Harold Beaulieu. Voilà, en respectant autant que faire se peut le schéma de couleur. C'est sympa. Alors, très agréable à peindre parce qu'on a beaucoup de surface lisse, très peu de styles de vêtements différents. Donc c'est vraiment impeccable. Et puis, bah, Monsieur Armstrong, je pense qu'il est sec. Sec, sec, sec. Voilà, Monsieur Armstrong. Toujours chiant de faire les lunettes, mais ça l'a fait. Franchement, ça l'a fait. Par là-dessus, un petit coup de bombe de... Comment cela s'appelle-t-il ? Un petit coup de bombe satin, vanish, je ne sais même plus comment ça s'appelle d'ailleurs. Peu importe, elles sont en passe d'être finies, donc c'est cool. Bon, on va les laisser là, hein, après tout. Après tout, après tout. Alors, j'ai eu des commentaires sur notamment l'errata. Oui, c'est vrai. Il y a le fameux errata qu'a prévu Flyos, qui est déjà sorti. Comme j'ai répondu notamment à Patrick, je ne veux pas pour l'instant voir le contenu de l'errata, parce que ça risque forcément de me mettre les nerfs à vif. Et comme avec Solomon Kane, le fait d'avoir autant d'errata, ça m'a cassé l'envie de jouer. Vraiment, ça m'a gonflé. Ce qui fait que Solomon Kane, eh ben, je l'ai mis de côté et je vais même le vendre. Et pour... Ah non, hein. Et pour l'instant, je ne veux pas que ça se produise du tout avec Vampire. Si je peux l'éviter, c'est très bien. C'est pour ça que je veux finir la découverte des règles par rapport aux attentes que j'en ai. Et puis après, on mettra le nez dans les ratas. On verra ce que ça concerne réellement entre les chapitres et puis les livres de règles. Et ben, j'aviserai à ce moment-là. Mais j'espère, j'en ai pas du tout entendu parler. Je suis pas allé chercher bien loin non plus. Mais j'espère que Flyos a prévu dans un laps de temps ultra court un envoi des cartes ou des règles modifiées. C'est la moindre des choses. Alors, Mythic Game l'avait fait avec Reichbusters, avec Solomon Kane et avec... Il y avait un troisième jeu comme ça où il avait fallu qu'ils réimpriment et qu'ils envoient. Oui, c'est bien de le faire. Seulement, le laps de temps entre la sortie du jeu et le moment où les Bakers ont reçu leur correctif, c'était beaucoup trop long. Donc on est passé à autre chose. Plus rien à foutre de leur jeu. Et ça a cassé, ça a nuit énormément à leur réputation qui déjà commençait à s'écorner. Alors là, Flyos, faites gaffe quand même parce que c'est un point de correction vis-à-vis de ceux qui ont mis de l'argent dans vos jeux. Et oui, c'est vraiment de la correction. Et il faut que vous soyez ultra réactif. C'est le principe des services après-vente, ça. Si un SAV, quelle que soit l'entreprise, n'est pas ultra réactive, eh ben, elle se tire une balle dans le pied. Pour l'instant, je suis neutre, vierge de tout ça. C'est dans un coin de tête, hein, bien sûr. Mais on enchaîne dans la continuité avec... On s'était arrêté...
pour aller plus loin sur les cartes de personnages. Là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Page 18, quel progrès. Donc on va parler des cartes personnages et ces supports-là. Voilà, on va pouvoir sortir le matériel. Alors, en plus de votre feuille de personnage, votre tableau de personnage fournira des informations sur votre marqueur de dégâts, de volonté et de soif. J'étais même surpris qu'on n'ait pas plus d'éléments par rapport à ce petit tableau. Donc, a priori, tout va être centré sur la feuille de personnage elle-même avec les différentes coches sur nos compétences et autres attributs et disciplines. Alors, le marqueur de dégâts. On va rester avec Monsieur Armstrong. Le marqueur de dégâts. Attribut physique x 2. Attribut physique x 2, marqueur de dégâts égale 6. Donc par exemple, et pour l'exemple, je vais. Ah bah parfait, c'est ici que ça se passe. Monsieur Armstrong, on a dit qu'il avait un attribut physique égal à 2 x 2, ça nous fait 4. Donc je prends les couvre-marqueurs. Les toutes petites bestioles là qui sont propices à être perdues. Donc sur Armstrong, Samuel de son prénom, je mets 4. 4 en dégâts, donc c'est des dégâts qu'il va occasionner en combat, ça alors. Il en a 4. Si on prend Jade. Jade en physique, elle a 2 aussi. Donc ce serait 4. Eh ben, toi, c'est comment déjà? Harold. Alors il va falloir un certain temps. Tiens, Arène d'abord. Arène en physique, elle a 3. 3 et 3, 6. Donc on lui met 6. Ben, je vais faire ces deux-là. Alors pourquoi dans la peinture, j'ai commencé par Arène suivi de Harold, suivi de Samuel? C'est parce que dans le bouquin de campagne. Ce sont les trois premiers à être jouables pour leur prologue. Donc au moins c'est motivant. Je sais que nous sommes nombreux à apprécier de commencer à jouer avec des figurines peintes. Oui, tout à fait. Et puis Harold, on a dit que tu n'avais que quatre. Voilà, comme ça ce sera prêt. Et puis ça commence à faire manipuler, c'est vachement bien. Ben voilà. Je vais vous garder tous les trois, les autres, nous verrons ça plus tard. Ensuite, marqueur de volonté. Alors, les marqueurs de volonté, ça correspond à l'attribut social plus mental. Ah là, vous avez les reflets de merde. Il faut juste que je récupère la feuille de Harold. Harold Beaulieu, il est là. Donc. C'est social plus mental. Ben c'est tout. Social plus mental. Donc en marqueur de volonté, Harold, social et mental, 3 et 2, 5. On y va. Ah oui, donc je comprends que lorsque l'on joue à 4 joueurs, ben finalement, il ne reste plus de. Il ne reste plus du tout de cache. Comment vous appelez ça? De couvre-marqueur. Ils ont prévu vraiment pile poil le compte. Ce qui n'est pas déconnant. Hein. On a dit Harold, il a 5 en volonté. 3 en dégâts, 5 en volonté. Ben voilà, là on va voir se dessiner un petit peu plus les profils des uns des autres. Comment on va vraiment les utiliser. Ensuite, Arène, ça doit être une sociale mentale 4. Mais oui, elle est beaucoup plus orientée combat comme on l'avait vu. Hein. Donc j'ai dit combien? 4 pour Arène. Pensez à ne pas retourner les plateaux joueurs une fois qu'on a mis les couvre-marqueurs. Et puis Samuel, toi tu cumules 5 comme Harold. Allez, 5 cache-marqueurs. Bim. Il en manque 2. Bim.
Bon, ça, c'est les mises en place, hein, début de jeu, c'est de la petite manipulation. Comme dans tous les jeux, de toute façon. Voilà, on commence à s'habiller. Les marqueurs de soif, là, c'est ce qui nous reste à compléter. Marqueurs de soif. Tous les personnages, sauf Thomas. Alors, Thomas, il est là-bas. C'est le gros balèze. Ont 5 points de soif disponibles. Ah, ce sont des points disponibles. Mais par contre, 2, 4 et 1, 5. Donc on est au max. Ça veut dire qu'on place aussi des marqueurs? Pas sûr. Je le laisse comme ça pour l'instant. Ensuite, on a des attributs sur nos feuilles de perso. Samuel, ok, les attributs des personnages augmentent au cours de la campagne, tout comme leur marqueur de dégâts et de volonté. Mais oui, si on joue sur les attributs, forcément, on a une répercussion sur les dégâts et la volonté. Utilisez les marqueurs pour cacher les points auxquels vous n'avez pas encore accès. Ah! Exemple. Si vous avez 6 points disponibles sur votre marqueur de dégâts, avec 3 en physique, utilisez 4 marqueurs pour cacher les 4 points restants. J'ai exactement fait ce qu'il ne fallait pas faire. Donc en fait, on est plutôt comme ça. Elle a 6 points. On cache 4. Ah bah donc ça. Alors, vous savez quoi? Voilà. On va faire ça. Pouch! Tout bêtement. Ah, c'est un peu chiant à sortir, sauf que vous voyez, il y a des petites encoches là. Il faut que l'ongle soit du côté droit. C'est tout bête. Bon, bah on recommence. Alors, c'est le but de la découverte, hein. On manipule, on se plante, on refait, et puis comme ça, vous êtes dans le vif du sujet. Donc, elle a 6. Ici, en T. C'était 4 de dispo. Donc je cache 6. Oui, bah finalement, ça fait utiliser exactement le même nombre. Hein. Ce qu'on perd d'un côté, on va le rebalancer de l'autre. C'est tout pareil. Oh! Allez. Et est-ce que la lecture est plus fun comme ça? Il y a des chances. Hein. Si vous avez 6 points disponibles. Non, c'est pas ça. Utilisez les marqueurs pour cacher les points auxquels vous n'avez pas encore accès. Donc, au fur et à mesure du jeu, on va enlever cela et augmenter nos valeurs. Ok, donc là, même chose. Non, pas même chose. Je vais perdre trop de temps. Je vais rester avec. Oula! Alors là, par contre, pas cool, vous voyez? Petit défaut, le cache-marqueur est tellement bien ancré dans son emplacement que ça décolle carrément le carton. Donc comment on fait dans ce cas-là? Peut-être avec une pointe de stylo léger. Voilà, c'est du direct, c'est incroyable. Donc j'ai un petit marqueur qui va être flingué là. Ben, c'est bon à savoir. Donc ça part. Et comme je voulais le dire, on va rester avec Arène pour les futurs exemples. Allez, ça on range. On perdra quand même un petit peu moins de temps. En plus, les prologues sont vraiment individuels solo, donc c'est pas déconnant. Voilà. Mistinguette, viens nous voir. Le même principe s'applique à votre marqueur de volonté. Le marqueur de dégâts. Le marqueur de dégâts représente la quantité de dégâts que votre personnage peut subir avant d'entrer en torpeur. Donc ouais, elle peut encaisser quand même pas mal. Un personnage envoyé en torpeur est retiré de la tuile et ne peut plus interagir avec le chapitre. Ok. Calculez les points de marqueur de dégâts disponibles d'un personnage en multipliant son attribut physique par deux.
On l'a vu. Alors, il existe deux types de dégâts qu'un personnage peut subir, les dégâts normaux et les dégâts inévitables. Vous pouvez réduire les dégâts normaux que vous subissez avec des jetons de résistance. Des jetons de résistance, est-ce que ça nous parle? Avec des jetons de résistance, eh bien écoutez, je ne vois pas ici marquer les jetons de résistance. Mais bon, c'est peut-être un terme générique et on va retrouver ça un petit peu plus loin. Pas de panique. Ce que l'on appelle éviter les dégâts, donc quand on réduit les dégâts normaux, on évite des dégâts. Mais vous ne pouvez jamais réduire les dégâts inévitables avec des jetons de résistance. Logique, ils sont inévitables. Remarque, dans les règles, les dégâts normaux sont simplement appelés dégâts. Un personnage peut récupérer les dégâts qu'il a subis en utilisant la capacité vampirique réparer les dégâts. Le marqueur de dégâts d'un personnage est remis à zéro au début d'un nouveau chapitre. Vous pouvez augmenter le marqueur de dégâts d'un personnage en augmentant l'attribut physique avec des points d'expérience. Pour suivre vos dégâts, déplacez le cube rouge de gauche à droite sur le marqueur de dégâts. Cube rouge, donc de gauche à droite. Ouais. Lors d'un combat, le personnage Gangrel subit des dégâts à 4 points de la part d'un ennemi et devient blessé. De la part d'un ennemi et est blessé. Il survit au round de combat avec 2 points de dégâts restants. Ouais, c'est bien ça. J'ai bugué hein, sur la lecture de la phrase parce qu'il y a une parenthèse. Je suis allé un petit peu trop vite. Mais on est d'accord que si je subis 4 points de dégâts, eh bien mon marqueur rouge passe à 4. Je survis au combat parce qu'il me reste 2 points de dégâts avant de tomber en torpeur. C'est bien ça. Ensuite, le marqueur de volonté. Donc la même chose, on va avoir besoin d'un cube rouge. La volonté représente votre capacité à vous concentrer sur une tâche spécifique afin d'obtenir ce que vous voulez. Utilisez un point de volonté pour relancer jusqu'à 3 dés noirs après un test de compétence afin d'augmenter vos chances de réussite. Le maximum de volonté se calcule en additionnant les attributs mental et social. Remarque, il n'y a pas de limite au nombre de points de volonté qu'un joueur peut utiliser en un tour, jusqu'à sa volonté maximale. D'accord, donc si je lance 4 dés, je peux décider de claquer 4 points de volonté pour relancer et faire de la grosse bousasse. Parce que pour moi... Une face vierge égale bousasse. Hein. Je pense que ça va être très vite confirmé. Ah tiens, d'ailleurs, j'ai oublié dans la présentation du matériel, je l'ai là. On a une carte format tarot. Tête de jeu, alors il n'y en a qu'une, pour le coup. Et on a les faces des dés. Et là, si j'ai fait ça, c'est aucun succès, sans surprise. Ça me fait penser encore une fois le parallèle avec les demeures de l'épouvante où on dépensait des indices pour relancer les dés. Ok. Les points de volonté d'un personnage sont remis à zéro au début d'un nouveau chapitre logique. Exemple. Le personnage Ventru commence avec un attribut social de 3 et mental de 2 pour un total de 5 points de volonté. En tentant d'utiliser la compétence persuasion contre un PNJ. La compétence persuasion. Alors par exemple, Aren aurait un en persuasion. Ça voudrait dire qu'elle jetterait un dé.
Donc, en tentant d'utiliser la compétence persuasion contre un PNJ vampire lors d'un dialogue, le ventru a besoin de 4 succès pour convaincre son interlocuteur. Avec 3 points dans la compétence persuasion et 3 points dans son attribut social, le ventru a 3 succès automatiques. Malheureusement, après avoir lancé 3 dés à cause de l'attribut social à 3, le ventru n'obtient aucun succès supplémentaire. Pas de chance. Le ventru utilise un point de volonté en passant de 0 à 1. Oui, donc là, ça démarre à 1. Hein. Le 0 est considéré hors plateau. Je dépense un point de volonté. Il relance ensuite les 3 dés noirs associés aux points d'attributs sociaux 3 et obtient 2 succès supplémentaires. Cela lui donne un total de 5 succès. Il réussit donc le test. Ok. Augmenter les points de volonté disponibles en augmentant ses attributs mentaux ou sociaux avec des points d'expérience. Ouais. Si votre marqueur de volonté est rempli et que vous dépensez un autre point, vous tombez dans un état de fatigue. Ok. La torpeur avec les dégâts, la fatigue avec la volonté. Ça, je vais le noter parce que après coup, je vais oublier à quel endroit c'était inscrit. Alors, on a dit dégâts, torpeur. Et volonté, fatigue. Voilà, c'est dans la boîte. Et enfin, on arrive à notre marqueur de soif. Donc, rebelote, on va avoir besoin d'un cube. La soif représente la bête. La bête est une force égoïste, dominatrice et sadique qui habite tous les vampires. Elle vous pousse à tuer, à dominer et à contrôler votre environnement. Lorsque vous tentez d'accomplir une tâche, échangez un dé noir contre un dé rouge pour chaque point de soif que vous avez. Ok, donc c'est une pénalité parce qu'il y a des symboles quand même qui ne sont pas particulièrement fun. On va les regarder tout de suite, les symboles d'ailleurs. C'est-à-dire que sur le dé noir, bon, là, zéro succès. Ici, un succès. Et nous avons deux succès. Ce sont des D10. Là, j'ai deux succès. Ah, ok, on a une chance sur 10 de faire deux succès d'un coup. Et sur les dés rouges, donc les dés de 100. Aucun succès. D'accord. Test de la bête. Vache, quand on fait ça, votre soif augmente de 1 point. Quand on a la tête de mort, votre soif augmente de 2 points. Une chance sur 10 que la soif augmente de 2 points. Et d'accord, si on tombe sur l'équivalent de succès en dés noirs, en fait, la soif ne bouge pas. Ok. Donc, marqueur de soif égale pénalité avec les dés rouges. Remarque, vous ne pouvez pas relancer un dé rouge avec de la volonté. Ah ouais, donc plus on va cumuler un lancer de dés rouges, moins on sera à même à pouvoir faire des relances. Les relances ne concernent que les dés noirs. Les joueurs commencent chaque chapitre avec un point de soif, obligatoirement. Si un personnage est à son niveau de soif maximum et qu'il gagne un autre point de soif en échouant un test de la bête ou via un événement, le personnage entre en frénésie. Encore quelque chose de particulier. Trop de dégâts, c'est la torpeur. Trop de perte de volonté, c'est la fatigue.
et trop de perte de soif. Ouais, c'est ça. On a dit que c'était de la frénésie. On doit être complètement incontrôlable et avec une envie de mordre dans un bon vieux steak humain saignant de malade. Bien, maintenant les feuilles de personnage. Alors, les feuilles de personnage. Arène. Voilà. Si je suis proche caméra, en fait, ça va, ça reste lisible. Sans bouger, s'il vous plaît. Les attributs. Donc, les attributs, on en a trois, hein. Physique, social et mental. Les capacités innées d'un personnage lorsqu'il tente d'accomplir une tâche, physique, sociale ou mentale, spécifique. Lors d'un test de compétence, un joueur lance un nombre de dés égal à son niveau d'attribut. 3 en physique pour Arène, 2 en social, 2 en mental. Oui, donc je reste sur le fait de dire qu'elle est plutôt corps à corps, enfin plutôt combat. Le physique représente la capacité générale de votre personnage, force, dextérité, endurance. Lorsque vous effectuez un test de compétence physique, par exemple l'attribut physique plus la compétence bagarre pendant un combat. Ok. Elle a 3 quand même en bagarre. Hein. Le social représente la capacité générale. Charisme, manipulation ou sang-froid lorsque vous effectuez un test de compétence sociale. Social plus persuasion pendant un dialogue. Arène en persuasion, c'est une quiche. Elle n'a qu'un point. Et enfin, le mental représente la capacité générale de votre personnage, intelligence, esprit, détermination. Lorsque vous effectuez un test compétence mentale. Par exemple, mental plus recherche lors d'une investigation. Recherche, rien que dalle. Donc on fait un cumul de dés. Ça veut dire que Mistinguette, là, en combat, physique plus bagarre, elle jette 6 dés. 6 dés quand même, il y a moyen de sortir des trucs de malade. Alors, un succès. Deux succès. Que dalle succès. Je dépense 2 points de volonté pour relancer ces 2 dés-là. Mais comme j'ai un point de soif et que la reine et le roi ne le veulent pas, je serai censé coller un dé rouge. Et là, c'est pas bien parce que ma soif augmente de 1. Et ça me fait rien. Oula! Bon, je suis pas sûr de mon coup avec le dé rouge, hein. Mais je pense que ça va y avoir une histoire comme ça. Alors, s'il y a une histoire comme ça sur des jets pourris, ça va pas être très rigolo. Mais on va se reprendre. C'est la mise en jambe. Ok. Alors ensuite. Les attributs, c'est vu. Donc on additionne notre nombre de dés à lancer, attributs plus compétences. Les compétences définissent le niveau d'expertise d'un personnage et représentent des succès automatiques. Hein? Lorsqu'il tente d'accomplir un test physique, social ou mental. Le nombre de succès automatiques est égal au nombre de coches sur la barre de compétences. Toutes les compétences sont divisées en fonction de l'attribut auquel elles appartiennent. Bah oui, en plus c'est bien foutu puisque c'est par colonne. Hein. Donc ce qui découle pardon, de l'attribut physique, on a l'athlétisme, bagarre, armes et furtivité. Ce qui découle de l'attribut social, la persuasion, l'intuition, le subterfuge et l'intimidation. Et en mental, nous avons la recherche, la vigilance, l'occultisme et la technologie. Donc l'athlétisme, la vitesse et la distance à laquelle vous pouvez vous déplacer. Elle se déplace de 3.
Le 3. 1, 2, 3, c'est pas beaucoup, hein. En même temps, c'est idiot ce que je dis, c'est pas beaucoup. On a des petites maps. Donc en 1, 2, 3, 3 tours et demi, elle a parcouru toute la distance, à peu de choses près. Ok. Bagarre, votre capacité à vous battre et à esquiver. Arme, votre capacité à vous battre avec une arme de mêlée ou à distance. Pas terrible, hein, elle a qu'une coche. Et furtivité, savoir vous faufiler, tendre des embuscades et ne pas vous faire repérer. Rares sont les jeux où on utilise de la furtivité aussi poussée. Bah, plus que rare même, hein. J'en ai aucun. Personnellement, j'en ai aucun. V-Commando, il y a cette notion-là. Ah, alors, il y a une notion de... Ouais, où faut faire gaffe dans Rage Busters. Mais peut-être pas poussé comme ça. Et le prochain jeu, ça va être Malia, où ils ont inclus une notion de cache-cache. Ok, salut Flipette. Flipette. En social, la persuasion, c'est votre aptitude à convaincre les autres par le charme ou la raison. L'intuition, votre faculté à comprendre ce qui motive les autres. Le subterfuge, votre capacité à mentir ou à être trompeur. Et l'intimidation, capacité à utiliser la peur, la coercition ou les menaces pour convaincre les autres. Certains événements et dialogues varient en fonction de votre niveau de soif. Attention, plus votre soif est élevée, plus les conséquences sont graves. Une raison, hein, si c'est sur fond rouge, c'est vraiment parce que c'est un élément de jeu à prendre en compte qui va nous mettre des bâtons dans les roues. Le mental, recherche, capacité à trouver des preuves et découvrir des indices. La vigilance, à quel point vous êtes aux aguets et attentif à votre environnement. L'occultisme, votre degré de connaissance du monde surnaturel. La technologie, votre capacité à pirater des ordinateurs, des alarmes, des téléphones et à utiliser des outils modernes. Ok. Ok. Règles de restriction, attributs et compétences. Les points de compétence. Ouais. D'un personnage ne peuvent pas dépasser l'attribut correspondant du personnage. Mais ils peuvent être égaux. Ainsi, un personnage avec un attribut social de 2 ne peut pas avoir 3 points dans la compétence persuasion. C'est logique. Donc, si je veux augmenter les compétences physiques, je ne peux pas toucher à athlétisme, je ne peux pas toucher à bagarre parce que j'ai 3 max en physique. Par contre, je pourrais lui mettre 3 en furtivité et jusqu'à 3 en armes. Et je suppose que si l'on peut développer ces attributs, ça doit coûter beaucoup plus cher que des points en compétences. D'accord. Et enfin, nous avons les disciplines. Alors, les disciplines. Protéisme bestial, force d'âme et animalisme. Les disciplines sont les pouvoirs vampiriques communs à chaque clan. Les pouvoirs vampiriques communs à chaque clan. Ah oui, alors, j'ai dormi depuis hier, hein. Donc je vous rappelle que nous avons tout un tas de cartes sur les disciplines. Utiliser une discipline, c'est utiliser une partie du sang contenu dans votre corps. Ah ouais. Cette utilisation du sang vous rapproche de la soif de sang, ce qui permet à la bête qui est en vous de prendre plus de contrôle. Chaque fois que vous utilisez un pouvoir lié à la discipline, vous devez faire un test de la bête, ce qui vous rapprochera de la bête. Voir les règles de page 35. Ok. Rappel de coups de points d'expérience. Là, je suis en train de lire ce petit mémo sur le descriptif d'une feuille de personnage. Et ici, tout en bas, on a le rappel des coups
en termes de points d'expérience. Est-ce que ça va vous parler? Mais oui, carrément. Alors, si je veux... Hein? Compétence là. Si je veux un point de compétence niveau 1, ça va me coûter 3. Donc, là, ça me coûterait 3 pour lui débloquer sa furtivité à seulement un niveau. Et les attributs, par contre, si je veux la passer à la vache à 4 points, en physique, ça va coûter 16 points d'expérience. À voir de quelle manière on gagne ces points d'expérience et si on en gagne beaucoup ou pas. J'espère qu'il y a un bon équilibrage au fil de la campagne pour pouvoir suffisamment évoluer, que ce soit intéressant, qu'on se pose aussi de réelles questions. Est-ce que je reste orienté uniquement physique ou est-ce que ça va être bien par rapport aux autres personnages de se répartir un peu plus les attributs, donc les compétences? On le saura. On le saura. Après. Et bien après, on tourne la page, hein, tout bêtement. Après, on va avoir un aperçu des différentes disciplines. Alors, on a bien dit que les disciplines, c'était propre à tout le monde. L'animalisme. Alors, je ne vais peut-être pas toutes les faire là. On va s'intéresser principalement aux disciplines de arène. Mise au point. Please. Donc, on a le protéisme bestial. Qu'est-ce que ça peut bien être? Infusez votre corps de capacités semblables à celles d'un loup. Ok. Après, force d'âme. C'est la résilience surnaturelle du corps et de l'esprit. Et enfin, l'animalisme. Communiquer et manipuler les animaux ainsi que jusqu'à un certain point la bête. D'accord. Remarque. Si vous voulez découvrir ce que fait chaque discipline, lisez les différentes cartes de discipline, bien sûr. Ok. Les points d'expérience. Tout au long des différents chapitres du jeu, vous collecterez plusieurs choses. Des points d'expérience. Des informations sur des personnages spécifiques, des indices, des faveurs, etc. Notez tous les points d'expérience que vous collectez au bas de votre feuille de personnage, car vous pourrez les transférer à un autre personnage si vous décidez de changer au cours de la campagne. Note, changer de personnage est permanent. Vous ne pouvez pas revenir en arrière pour jouer votre ancien perso plus tard pendant la campagne. De plus, seule l'expérience est transférée entre les persos. Vous devez donc défausser vos cartes effets et vos cartes humanité. Alors ça, c'est pas mal. C'est fait si un joueur, au bout de deux chapitres, s'aperçoit que finalement, il s'est orienté sur un héros qu'il ne lui convient pas. Donc, petit transfert de points d'expérience, on n'est pas perdant. Et puis pour le reste, eh ben on repart à zéro. Vous pouvez utiliser le verso de votre feuille de personnage pour noter toutes les informations importantes que vous allez recueillir au cours de la campagne. Vous pouvez y inscrire des indices ou des détails importants que vous apprenez sur un personnage. Nous vous recommandons vivement d'y noter également toutes les chasses que vous avez accomplies, car elles peuvent car elles ne peuvent être accomplies qu'une seule fois. Toutes les chasses, ça m'interpelle. Il me semble que c'est au fond du fond. Je ne vais pas pouvoir le prendre facilement, mais il me semble que c'est un carnet comme ça où il y a marqué chasse. Ok. Donc, prise de notes recommandée. Moi, j'aime bien les jeux où il y a de la prise de notes. Ça me renvoie à Gloomhaven. Alors, non, Gloomhaven, je délire. C'était pas de la prise de notes. C'était plutôt le fait de. Quoique, non, si, c'est vrai, il y avait les. Comment, outre les points d'expérience, il y avait l'or qu'on pouvait noter. Il y avait éventuellement les cartes spéciales que l'on avait débloquées sur des lieux, des choses comme ça. Mise au point, toi, là. Merci.
Alors, pour finaliser notre personnage maintenant, une fois que vous avez choisi votre clan ou créé un kaitif, vous devez prendre une carte humanité, assembler votre deck de combat et choisir vos cartes de pouvoir, de discipline. Alors, les cartes humanité que j'ai rangées ici. Donc, on en a quelques-unes hein, quand même. On a du rouge, pas bien. On a du vert, plutôt bien, je suppose. L'humanité est la dernière protection contre la bête qui est en vous. La partie de vous qui a constamment besoin de pouvoir, de sang et de contrôle. C'est la mesure de votre degré de proximité avec l'humain que vous étiez autrefois. Au fur et à mesure qu'un vampire vieillit, la bête ronge son humanité, la réduisant en lambeaux au fil des décennies. Les personnages perdent leur humanité en commettant des actes terribles, meurtres, diablerie et autres actes immoraux. Les actions altruistes peuvent aider à minimiser la perte d'humanité. On ne peut jamais regagner l'humanité perdue. Sauf indication contraire, un personnage commence la partie avec une valeur d'humanité de 7. Au début de la partie, prenez la carte humanité qui correspond à votre niveau d'humanité actuel. Lorsque vous perdez de l'humanité, défaussez votre carte et remplacez-la par celle qui correspond à votre nouveau niveau. Certaines valeurs confèrent également des avantages. Ceux-ci sont détaillés au bas de la carte. Alors on commence avec une humanité de 7. Votre moralité est toujours intacte malgré les horreurs de votre nouvelle non-vie. Ah bah c'est l'inverse de ce que je supposais alors. Commencez chaque chapitre avec une soif de 4. Ah ouais, non mais carrément. Ne pas se fier aux couleurs. Tant qu'on est dans le rouge, on est bien. Si on va vers le vert, c'est dégueulasse. Si on arrive, enfin si on tombe, mais c'est ça, c'est une échelle de valeur. Et si on tombe en perdant nos points d'humanité, on a un petit effet bien sympa. Commencez chaque chapitre avec une soif de sang de 4. Plus 1 en intimidation, plus 1 en subterfuge et plus 1 en vigilance. Mais par contre, on a une soif de 4. C'est horrible. Horrible, horrible. Bon, bah donc ça va à côté de notre plateau perso. Tac. Après, le deck de combat. Votre deck de combat est constitué de toutes les cartes combat auxquelles votre personnage a accès. Ces cartes dépendent du niveau du perso en athlétisme, bagarre, furtivité et armes. Chaque carte a une exigence, soit un niveau de compétence, soit un niveau de discipline. Les cartes combat armes ne peuvent être utilisées que si elles sont combinées avec une carte objet. Arme. La carte objet arme doit correspondre au type d'arme requis par la carte combat. Ben oui. Les cartes arme à distance nécessitent une carte objet arme à distance. Combat de mêlée nécessite une carte objet combat de mêlée. Alors les cartes combat sont là. Plouch. Si votre personnage répond aux exigences de la carte, elle est incluse dans votre deck de combat. Par défaut, chaque personnage a accès aux cartes morsure, garde, coup de pied bas, coup de poing, taillade et tir. Le deck de combat de base d'un personnage est composé des cartes suivantes. Bagarre et armes. Je baillote. Deck de base. Ah! On va voir si c'est bien fait. J'avais mis de côté deck de base. Donc je veux coup de poing. Ah. On y retourne. Coup de poing. Coup de poing. Donc j'en prends qu'une, hein. Garde, je l'ai vu passer, garde. Point garde, morsure, elle est là. Je les mets dans ce sens-là pour respecter le tableau. Coup de pied bas.
Isha, low kick. Coup de pied bas. Ah, j'ai pas le coup de pied bas ici. Ça, c'est quoi? Ah, entre. Bagarre. D'accord. Triskelion, je cherche quoi? Le coup de pied bas? Coup de pied haut. Chiotte. J'ai pas le coup de pied bas. Ici. Bon, c'est certainement moi qui ai mal classé. Hein. Forme de serpent, on va oublier. Serpentis, on va oublier. Furtivité, ça m'étonnerait. Athlétisme. Nine. Arme 1. Alors, tir et taillade. Nous avons besoin de tir et de taillade. Je n'ai pas de carte tir. Ah, mais pardon. Pardon, pardon, pardon. Ici, on a quoi? Ah non, humain, vampire, ghoul, etc. Les cartes alliées, les cartes boss, donc ça peut pas être là. Et en plus, ici, on a bien le schéma dessin des cartes rouges. Bon, c'est que j'ai mal cherché, hein. Mort sur garde, coup de pied bas. Je n'ai pas vu le coup de pied bas. Je regarde un petit peu partout. Ben ça, c'est ballot. Ça peut pas être dans les disciplines, puisque là, on est vraiment dans. Genou, châtiment. Bon, je fais quoi? Je passe, hein, on va avancer. Elle est quelque part. On va pas se. C'est moi qui ai certainement mal lu. Clé de bras, crâne, ouais, tout ça, on est dans du combat physique. Hippon, uppercut, coup de pied haut, bah oui, j'ai regardé tout à l'heure ça, crochet. J'allais dire, est-ce que ce serait pas lié au symbole de son clan Gangrel? Mais j'ai rien qui me donne. Mais non, puis on était dans les decks de base. Donc ça ne peut pas être ça. Allez, on va insister un petit peu. Chou, 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 chou. Pour être sûr. On peut faire des bonds, des esquives. Alors, mine de rien, le fait de balayer les cartes, on voit que par rapport au terme, ah, bah, c'est là. C'est en furtivité. Bon, ok. Coup bas et attaque sournoise. Cool. Et donc, il me manque quoi? Le tir et la taillade. Ça se trouve, je suis passé dessus, j'ai pas fait gaffe. Bon, ok. Il va nous manquer 4 cartes. Alors, par exemple, si je prends un coup de poing basique, aucun effet. On a un mixte, bon, avec des choses à utiliser là. Est-ce que ce sont les dés à voir en combat? Donc on va avoir un deck de 6 cartes quand il sera complet. Tac, tac. Nos cartes combat. Ok. Au fur et à mesure que vous améliorez votre personnage et que vous augmentez votre score dans la compétence athlétisme, bagarre, furtivité et armes, ajoutez toutes les nouvelles cartes disponibles à votre deck de combat. Exemple, Luciana commence au niveau 2 dans bagarre. En plus du deck de combat de base, elle reçoit les cartes combat, coup de pied haut, uppercut et crochet pour son premier niveau dans bagarre. Elle reçoit également les cartes combat Hippon pour son deuxième niveau de bagarre. Lorsque la compétence bagarre de Luciana atteindra le niveau 3, ajoutez les cartes combat clé de bras et trauma crânien à son deck de combat. Parce que. Est-ce que nous avons une notion de niveau? Non, mais enfin, on va retrouver ça très certainement un petit peu plus loin. Certaines cartes de combat confèrent également un effet supplémentaire. Ces effets se produisent
Après que la carte ait été utilisée pour attaquer ou défendre, que le jet ait été réussi ou non. Alors, sur garde. Ouais, d'accord. Aucun effet. Ici, là, on a des effets. Coup bas, PNJ attaquant, plus 2 dégâts inévitables si vous ne prenez aucun dégât. Oh, le coup bas. Et c'est lié à la furtivité. Ensuite, nous avons une précision sur. Ah non, les effets, c'est fait. La main active. Au début d'un combat, chaque joueur choisit sa main active du deck de combat de base et des cartes correspondantes à son niveau de compétence en athlétisme, bagarre, armes et furtivité. Le deck de combat de base du personnage est composé de plusieurs cartes combat qui permettront de se défendre ou d'attaquer pendant une séquence de combat. De nombreuses cartes combat supplémentaires seront disponibles au fur et à mesure qu'elles seront débloquées au cours de la campagne. Ça fait penser un petit peu à l'utilisation des cartes de Tainted Grail en fait. Hein. On avait des cartes combat avec des effets spécifiques. On n'est pas du tout sur du combat lancé de dés. Visiblement, les lancers de dés, ça va être plus sur les interactions sociales, furtives et autres. Et le combat, c'est vraiment le deck. Maintenant, on va s'intéresser aux cartes pouvoir de discipline. Regardez les disciplines de votre personnage et leur niveau respectif. Choisissez parmi les cartes pouvoir de discipline celles qui correspondent à la valeur. Un personnage ne peut avoir qu'une seule carte de pouvoir de discipline pour chaque niveau de discipline qu'il possède. Ah oui. Là, Arène n'a qu'un niveau en protéisme bestial et qu'un niveau en force d'âme. Elle n'a rien en animalisme. Et ça coûte 5 points en animalisme, 5 points d'expérience pour débloquer le premier palier là. Donc un personnage ne peut avoir qu'une carte de pouvoir pour chaque niveau de discipline. Protéisme bestial. Alors, combat, je vais le ranger. On va voir si c'est mieux avec les disciplines. On a un symbole, ce sera peut-être plus facile à retrouver avec le symbole. Pas du tout. Je regarde peut-être pas le bon. Discipline, non, il n'y en a pas d'autre ailleurs. Ne pas confondre avec les effets. Alors, protéisme. Ah, mais c'est le. C'est moi qui me plante. Animation, animalisme, force d'âme. Force d'âme, force d'âme. Protéisme féral. Moi, je voudrais un protéisme bestial. C'est pas là. Deck de base, couillon de la lune. Sorcellerie de sang. Oblivion. Oblivion. Force d'âme. Ah ouais, alors force d'âme, par exemple. Niveau 1, résilience. Esprit résolu, ça c'est niveau 2. Niveau 3. Ok, donc, avec mon 1 point en discipline force d'âme, sur le deck basique. Pourrait prendre au niveau 1 résilience. Devenez le rocher sur lequel les attaques de vos ennemis se brisent. Réduisez les dégâts vous étant infligés de 1. Et quand la carte est active, l'effet se termine à la fin de la séquence. Donc à la fin d'une séquence combat. Bon, on va prendre ça. Je pense, de toute façon, au début, on n'a pas vraiment grand choix. Hein. Ensuite, on avait dit. Alors, animalisme, je ne peux pas. Protéisme bestial. Je vais bien tomber dessus quand même. Occultation.
Protéisme féral 9. Célérité. Présence, domination. Domination, domination. Auspex. Auspex. Animalisme. Bon, j'ai pas trouvé là-dedans. Je ne vous garantis pas que j'ai bien regardé quand même, hein, parce que je veux avancer. Le principe, c'est que elle aurait deux cartes de base, si je ne dis pas de bêtises, hein. Alors on a un exemple, par contre, si vous jouez Samuel Armstrong, vous commencez une campagne avec la carte de pouvoir brouillage mémoriel, domination contrôle niveau 1. Domination contrôle niveau 1, effectivement. Domination contrôle et sa carte, ce serait brouillage mémoriel. Et votre choix entre révérence et regard terrifiant grâce à présence niveau 1. Présence niveau 1, donc il aurait un choix de deux cartes par rapport à ce qui est proposé. La raison de ce choix est expliquée ci-dessous dans la règle restriction de pouvoir. Au fur et à mesure que votre personnage progresse, il pourra augmenter son niveau de discipline, débloquant ainsi des cartes de pouvoir de discipline de plus haut niveau. Restriction. Lorsqu'un personnage augmente son niveau de discipline, il doit choisir une nouvelle carte. Parfois, le joueur devra choisir entre deux cartes de pouvoir différentes, auquel cas il ne devra en choisir qu'une seule et ne pourra la changer pour le reste de la campagne. Ok, alors, est-ce que c'est fait pour un semblant de rejouabilité éventuellement? Type de carte de pouvoir de discipline. Après, en le disant, c'est de toute façon c'est sympa quand on a un choix. On peut vraiment se dire, je veux m'orienter comme ça ou comme ça. Il existe deux types de cartes de pouvoir discipline, les actives et immédiates. Là, c'était active pour résilience. Donc, on pourrait avoir un effet immédiat. Une carte immédiate prend effet immédiatement après avoir été jouée et son effet s'arrête après l'utilisation. Une active reste active pendant toute la durée inscrite sur la carte ou jusqu'à ce que le joueur décide de changer de carte pour un autre pouvoir actif. Ou bien selon ce qui se produit en premier. Parfois, un événement peut demander l'arrêt d'un pouvoir de discipline actif. Les disciplines immédiates peuvent également être utilisées lorsqu'un pouvoir de discipline actif est en jeu. Oui, ben oui. Oh, on attaque la mise en place. Alors là, ça fait 1 heure quasiment tout pile, hein, qu'on a fini la découverte d'un plateau joueur. Alors, ils ne disent pas combien de dés sont attribués aux uns aux autres. Ben ça, de toute façon, c'est en fonction un petit peu de ce que l'on a là dans le nombre de dés à lancer. Alors, ce qu'il faut se rappeler, hein, si je dis pas de conneries, c'est que si j'ai 3 en physique, c'est équivalent à 3 succès automatiques. De toute façon, après avoir découvert les règles, il faut les relire bien correctement en prenant soin de bien noter tout ce qui est à même d'être oublié. Donc, notre zone de joueur, ça va être allez, 2 dés rouges, 4 dés noirs, par exemple. Ou alors, on laisse les dés à portée de tout le monde et puis chacun se sert en fonction. Alors là, je n'ai pas pris de dés supplémentaires. Je voulais vraiment rester sur du basique. Et puis, à 4 joueurs max, ça va relativement vite de se faire passer les dés. On a notre humanité qui est indiquée. On a 2 ou 3 cartes pouvoir et puis notre deck de combat. Et ça veut dire c'est tout. C'est vraiment tout. Où est-ce que je mets ça? Alors, vous deux, avant de passer au vernis, ce que je cherchais au début de vidéo là,
Je vous ai dit qu'il restait quelque chose à faire sur les figurines, c'était mettre un petit coup de vernis pour que ça tienne bien. Vous allez passer ici. Les dés, on les garde là. On va se mettre notre petite arène sur le côté, comme ça. Les dés devant. Et on y va avec le chapitre mise en place. Avant de commencer un chapitre, vous pouvez effectuer chacune des actions suivantes dans l'ordre. Ils mettent « vous pouvez » au lieu de « vous devez ». Ce qui veut... Ah oui, je comprends. Dépenser de l'expérience pour augmenter vos attributs, compétences et disciplines. On n'est pas obligé de le faire. D'ailleurs, quand on fait son perso, on a aussi notre feuille de perso. Là. C'est blanc de blanc. Il faudrait qu'elle soit quasiment comme ça. À se rappeler. Bon, je la laisse de côté pour le méchant reflet. Donc, avant de démarrer le chapitre, on peut dépenser son expérience. Acheter des cartes objets de l'inventaire d'Alex Simard avec des faveurs. Alors, les faveurs, je vous rappelle que ce sont ces jetons-là. Donc, ça sert en début de chapitre. On peut en dépenser pour acheter du matériel. Et on a une notion de boutique. Ça, c'est sympa. On peut terminer une chasse aussi. Avant de commencer un chapitre, on peut terminer une chasse. Ensuite, lisez la page d'introduction du chapitre dans le livre d'histoire. La page d'introduction du chapitre dans le livre d'histoire. Alors, c'est un bouquin, livre d'histoire, qui est quand même relativement épais. Nous avons combien de pages? 172. 172 pages quand même. Hein. Ah bah tiens! Inventaire d'Alex. Il est là. Donc lui, il est à même de nous vendre des objets. Donc ensuite, lisez la page d'introduction du chapitre dans le livre d'histoire. Vous y trouverez l'introduction narrative du chapitre. Les instructions de mise en place. Objectif action. Instructions de mise en place, chaque tuile utilisée, quels PNJ sont impliqués, où les placer, etc. L'objectif du chapitre ici, la première action que vous devez effectuer pour commencer à jouer. Exemple, lire la page événement E1. Révélez la carte profil de votre adversaire et lisez l'événement E1. Utilisez la carte profil étrange soldat 1. La carte profil, ah bah ça doit être ça. Donc en carte profil, ce sont des cartes format classique. On en a beaucoup. Et pour Arène Conway, refais la mise au point. Ne sois pas timide, chiotte. On serait sur ce profil-là. Étrange soldat. Utiliser la carte profil étrange soldat hashtag 1 numéro 1, ça doit être ceci. Étrange soldat, et là on voit numéro 1. On sait que c'est un humain, qu'il a des trucs, des valeurs ici. Ok, bon, ça on y reviendra. Alors, après, en fait, dans le chapitre mise en place, il nous détaille ce que j'ai lu en premier, là, par rapport à la dépense de l'expérience, l'échange des faveurs et autres. Donc, dépense des points d'XP. Au début d'un chapitre, les joueurs peuvent utiliser l'expérience qu'ils ont gagnée pour augmenter leurs attributs, compétences et disciplines. Consultez les tableaux ci-dessous pour augmenter les caractéristiques de votre personnage. Donc ça, bah, c'est un tableau qui reprend ce qu'on avait tout en bas de notre feuille de perso. À part que là, c'est un petit peu plus lisible. Règle de restriction attribut. Les points de compétence d'un personnage ne peuvent pas dépasser l'attribut du personnage, mais ils peuvent être égaux. Ça, on l'avait déjà lu. Hein.
Ainsi, un personnage avec un attribut social de 2 ne peut pas avoir une compétence persuasion de niveau 3. La règle d'augmentation graduelle. Un personnage doit augmenter ses caractéristiques de compétences, d'attributs et disciplines d'un niveau à la fois. Ouais, c'est pour éviter la surenchère. Allez, je me mets directement 3 en recherche. Bim. Ça, j'aime bien parce qu'on respecte une évolution. Exemple, un joueur qui est niveau 2 dans la compétence recherche et qui souhaite atteindre le niveau 4 doit dépenser de l'XP pour obtenir le troisième niveau en premier, ce qui lui coûtera 9 points. Ce n'est qu'ensuite qu'il peut acquérir le quatrième niveau en dépensant 12 points supplémentaires. Petite suggestion pour l'expérience, tenez toujours un compte de votre XP total. Utilisez la section expérience de votre feuille de personnage pour le faire. Donc là, comme Gloomhaven, on a deux lignes pour se mettre à jour de nos points d'XP. À un moment dans le jeu, vous aurez peut-être la possibilité d'échanger votre personnage contre un autre. Vous pourrez transférer l'expérience que vous avez déjà acquise à ce nouveau personnage. Cela s'applique également à tout personnage des packs d'extensions qui pourraient apparaître plus tard dans la campagne. Remarque, l'expérience est attribuée à un joueur, et non à un personnage spécifique. Ah la vache, ah oui, ça c'est une notion importante. On gagne de l'expérience par joueur, d'où le transfert d'XP. Bien, alors admettons que notre arène ait gagné des points de faveur là. Que ça? Des jetons de faveur. Les faveurs font office de marchandises de faveur, de devises et de dettes éternelles parmi les vampires. Au cours de la campagne, les personnages gagneront et dépenseront des faveurs. Donc les faveurs mineures et les faveurs majeures. Après les prologues et entre les chapitres, les joueurs peuvent échanger leurs faveurs contre des objets spécifiques auprès du PNJ Alex Simard. Son inventaire se trouve dans le livre d'histoire à la page 143. Dans certains chapitres, on peut vous demander d'échanger des faveurs pour ouvrir de nouvelles voies de dialogue ou d'investigation. Les faveurs appartiennent à la coterie et non à un seul joueur. Vous devez décider collectivement comment les dépenser. Il existe deux types de faveurs, les faveurs majeures et les faveurs mineures. Une faveur majeure vaut 5 faveurs mineures. D'accord. Donc ça, c'est cool dans le sens où toutes les faveurs appartiennent à l'ensemble des joueurs, à toute la coterie. Et de mémoire, la coterie, c'est donc un regroupement de joueurs qui appartiennent à des clans complètement différents. Après, on a les cartes objets. Alors, il y en a un bon petit paquet, hein. Cartes objets, est-ce qu'elles sont numérotées? Oui. Est-ce que je viens de les défaire? Oui. Ça va de 1 à 66. Et comme dans Gloomhaven, on peut avoir des cartes en plusieurs exemplaires. Par exemple, la une là, cocktail Molotov. Alors le numéro est inscrit derrière. Et on a 4 cocktails Molotov. Après, le sifflet à chien, on l'a en 2. Point américain, on peut en avoir 2. Pistolet. Ouais, un seul pistolet. Oh! Un couteau Bowie, deux battes de baseball. Ah, j'aimerais bien fracasser. Ok. Bâton de hockey, un exemplaire. Au début, ce que je voulais dire, fracasser des crânes peut-être avec la batte de baseball. Negan, si tu nous entends, écoute, ne viens pas, ne viens surtout pas.
Ça représente quand même un paquet parce que il y a beaucoup de cartes en un seul exemplaire ou deux. Donc sur la quantité, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc nos fameux objets, il suffit d'aller voir Alex entre les chapitres. Avant de préparer le chapitre suivant ou gagner des objets en jouant les chapitres tout au long de la campagne. Les objets servent à plusieurs fins, comme améliorer vos compétences, fournir du sang pour réduire votre soif ou servir d'armes de combat. De nombreux objets sont considérés comme des trouvailles de grande valeur. Vous pouvez collecter des objets en parlant à divers PNJ, en enquêtant sur des zones ou comme récompense. Les objets sont partagés au sein de la coterie, mais ne peuvent être utilisés que par un seul joueur à la fois. Exemple. Lorsqu'un personnage acquiert un objet au cours d'un dialogue ou d'une investigation, il le garde, sauf s'il veut l'échanger avec un autre joueur. Donc il le garde jusqu'à la fin du chapitre. Une fois le chapitre terminé, l'objet appartient à la coterie qui décide en tant que groupe qui prend quel objet pour le prochain chapitre. Au début d'un chapitre, distribuez entre les joueurs les objets que vous souhaitez prendre, 3 objets maximum par joueur. Et là, on n'a pas de notion de tête, torse, main, arme à une main, arme à deux mains, c'est 3 objets par joueur. Vous pouvez échanger un objet avec un personnage sur un hexagone adjacent, comme l'une de vos actions pendant un chapitre. Les 2 joueurs doivent accepter l'échange pour qu'il prenne effet. Oui. Ouh là là, pardon. Boosty m'a encore réveillé à 4h. Quelle heure il était? 4h20, je crois, cette nuit. Miaou, miaou, je veux sortir. Les objets trouvés au cours d'un chapitre ne sont pas comptabilisés dans les 3 objets qui vous sont attribués. Ah oui, ok. Donc on a une notion d'inventaire. Sur notre zone de joueur, et puis les nouveaux objets en fait sont à part. Vous devez cependant décider quels sont les 3 objets que vous souhaitez garder sur votre personnage au début de chaque des chapitres suivants. Règles de restriction sur les échanges. Les cartes objets ne peuvent pas être échangées pendant une séquence de dialogue, d'événements, d'investigation. Pendant un combat, vous pouvez utiliser votre action pour échanger un objet avec un personnage adjacent. Une fois utilisé, certains objets doivent être défaussés. Lorsque vous vous en débarrassez, remettez-le dans la boîte de jeu. Cet objet devrait être acquis à nouveau dans le futur, que ce soit par un achat ou en le retrouvant au cours d'un chapitre. Si vous jetez un objet que vous avez obtenu, avec des faveurs auprès d'Alex, remettez-le dans l'inventaire d'Alex. Vous pourrez le racheter à l'avenir. Ah oui, ok, donc il faut distinguer les objets qui viennent de sa boutique de ceux que l'on a eus par le biais d'effets de scénario. D'accord. Les cartes objets ne peuvent pas être échangées contre des faveurs une fois acquis, les objets ne peuvent pas être vendus. Alors, on va regarder l'effet du cocktail Molotov là. Où est-ce qu'il est ce foutu cocktail? Ah ben il est là, en prums. Sur les objets, nous avons donc le numéro de la carte tout en haut à gauche, là, qui est très très sombre. Compétences associées ou nature de la carte. Là, c'est un objet. Le nom de l'objet, son effet et la durée s'il y a lieu. Le cocktail Molotov en combat, placez un jeton de feu sur un hexagone dans votre ligne de vue, faites un test de la bête. Défaussé après utilisation. Je les ai, mes jetons feu. Ils font que ça. Donc dans la ligne de vue, je suis ici. Je suppose que notre ligne de vue, c'est par rapport à ce qu'on a là. Je balance un cocktail Molotov ici. Je défausse. Par contre, je dois faire un test de la bête.
Alors j'espère que les tests liés au sang et à la bête vont être cohérents. Ça va pas être une mécanique utilisée constamment à tour de bras chaque fois qu'on fait un pet de travers ou qu'on ouvre une porte, fait un test. À voir, à voir, à voir. Bon, bah ok sur les objets, hein, on peut les acheter, on peut les trouver. Après, les chasses. Ouais, c'est ça. Les chasses, c'est bien ce petit bouquin-là, du même format que les chapitres, qui sont un petit peu particuliers. Alors, la coterie peut décider en tant que groupe d'effectuer une chasse avant chaque nouveau chapitre, sauf indication contraire. Cette séquence de chasse offre aux joueurs l'occasion d'étancher leur soif de sang entre les chapitres. En cas de succès, cela abaisse le niveau de soif, ok, de chaque personnage à zéro. Ah ouais, mais c'est vachement bien. On fait une chasse, qu'on réussit, bim, on retombe à zéro. Parfois, une chasse peut également permettre au personnage de gagner des récompenses ou subir des handicaps spécifiques. Les humains ne se souviennent pas d'avoir servi de nourriture aux descendants. Cette garantie est due en partie au fait que le baiser, c'est ainsi que les vampires appellent le fait de mordre pour se nourrir, communique un sentiment d'euphorie et de calme, sauf pour ceux provenant d'un clan Ekata. Cela permet de soumettre la proie pendant que le vampire est occupé à le vider de son sang. Cela permet également de s'assurer que la personne ne prendra pas soudainement conscience de l'existence des descendants. Ainsi, les vampires peuvent chasser sans avoir besoin de tuer, et les humains n'en savent rien. Les chasses sont des activités de groupe, comme les chapitres de la campagne principale. Les joueurs participent ensemble à la chasse. Alors, c'est malin parce que c'est un simple petit carnet qui est plus ou moins épais, mais ça veut dire qu'on doit pouvoir rejouer certaines chasses. Puisque la cible ne va pas s'en souvenir. Ça, c'est bien pratique. J'aime bien. Salut Boboon. Boboon qui rentre là et Boboon qui est la maman de Flipette. Elle va nous tenir compagnie quelques minutes là. Alors, pour initier une chasse, regardez d'abord la carte de Montréal à la page 50 du livre d'histoire. Combien? Page 50. Non, 150. Oh, j'aime bien quand il y a des cartes. Ça me rappelle le jeu de rôle. Pardon. La page. Pour commencer une chasse, regardez d'abord la carte de Montréal à la page 150 du livre d'histoire. Ça sent les ratas. Vous voyez? Où est-ce qu'elle est? Qui nous l'ont collé cette carte de Montréal? Il ne doit pas y en avoir 50. Ah, ok. Page 169. Bon, vous voyez par exemple, typiquement, tiens, Patrick, pour répondre à ta question, ce type d'errata, ça passe. C'est chiant, mais ça passe encore. Par contre, tu faisais référence à visiblement des pans entiers d'errata qui concernaient je ne sais plus quel élément du jeu. Là, ça peut être beaucoup plus problématique. Donc, nous avons ici à gauche la carte des chasses. Pourquoi tu veux pas faire une mise au point? Voilà, la carte des chasses. Clac, clac, clac. Alors, il y en a quand même un paquet, hein. Niveau 0, niveau 1, niveau 2, en fonction de nos personnages et de l'avancée de la campagne. Et puis sur la droite, on a une chouette carte, alors, très sombre pour le coup, une chouette carte de Montréal, j'aime bien. Avec au niveau 0 à Montréal Nord, là tout en haut, ou bien à Hochelaga, le plateau en niveau 1, centre-ville en niveau 1, niveau 2, le vieux Montréal, et niveau 2, West Mount. Petite réflexion comme ça qui me vient en comparaison avec Gloomhaven. Ça, un accessoire de jeu comme ça mérite d'être sur une planche cartonnée. Pourquoi?
Je ne sais pas si ça se vend à part, mais si ça se vend à part, c'est pas cool parce qu'il faut encore mettre la main au portefeuille. Mais ils avaient largement de quoi dans leur huile là de faire un truc super sympa, carte de Montréal. Flyos, les gars, sans déconner, là c'est du plus plus, ça rend. Une majorité de joueurs, que ce soit jeu de rôle, jeu de société, on aime tripoter le matos, bon Dieu. C'est ça ce qui nous contente. On a plein de jetons, des figurines, des dés et tout, des petits bouquins. C'est chouette. Mais ça, je vais dire, c'est pas grand-chose. Non, quand vous commencez à partir sur des prix de vente de jeux à plus de 100 et quelques balles, non, effectivement, c'est pas grand-chose. Moi, dans le jeu, je suis prêt à mettre 1,50 € de plus pour avoir une chouette carte de Montréal. C'est dit. Alors, on regarde la carte ici. OK. Votre statut déterminera quel district vous est accessible. Vous ne pouvez choisir qu'un district dont le niveau est égal ou inférieur à votre statut actuel. Les districts de niveau 0 sont toujours disponibles, quel que soit le statut. Une fois que vous avez choisi un district, choisissez une chasse dans la liste disponible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Il y en a 21 chasses, rien qu'au niveau 0. C'est top. On peut aller se taper un clochard. Yeah! Une prostituée. Logique. Un docteur, un punk, un revendeur, une famille. Waouh! Un gardien, un éboueur. Ou un junkie. Là, ça a le mérite de me faire rire, donc c'est déjà gagné dans l'idée. Et à Montréal-Nord, une femme solitaire, un médecin légiste, des squatteurs, un homme à l'arrêt de bus. Oh! Pourquoi je fais oh? Parce que juste avant de démarrer la vidéo, je suis allé sur le site de Légion Distribution. Et dans la gamme de décors faits par TT Combat, j'ai mis dans le panier deux arrêts de bus. Parce que d'une part, je ne connais pas cette gamme-là. Alors c'est en MDF, hein. C'est en dur. C'est pas du carton, mais enfin c'est une sorte de pâte à mâcher cartonnée en dur. Et il y avait arrêt de bus. Et j'ai dit, tiens, je vais prendre des arrêts de bus parce que. En me projetant sur à la fois Marvel Zombie et sur, bien sûr, Vampire la Mascarade Chapters, je me suis dit, j'aimerais bien avoir des petits décors comme ça, contemporains, à mettre sur la table. Et là, pile poil, on peut faire une chasse avec un homme à l'arrêt de bus. Et sans déconner, il n'y a jamais de hasard dans les jeux de société. Alors en même temps, pour compléter, j'ai pris des bâtiments, un garage, un stockage, enfin. Je vous montrerai ça. On peut se taper un fossoyeur, un couple ou un gang de rue. Alors, se taper n'est pas le terme approprié, mais on peut aller pomper le sang de quand même différents types. Alors, volontairement, je ne lis pas les chasses de niveau 1 et niveau 2 pour me garder la surprise. Donc, ok, on dit bah, je vais aller à Montréal-Nord et je vais faire un revendeur. Une chasse contre un revendeur. Vous ne pouvez jouer une chasse qu'une seule fois. Chaque fois que vous terminez une chasse, notez-la quelque part pour vous en souvenir. Si vous avez déjà terminé toutes les chasses disponibles à votre niveau de statut, vous devez commencer le chapitre suivant sans initier de chasse. Ah ouais, donc toutes celles-ci niveau 0 constamment disponibles. Par contre, si sur le plateau du Mont-Royal et au centre-ville, du niveau 1, j'ai tout réalisé. Tant que je n'augmente pas mon niveau de statut, je ne pourrai pas aller à Westmount ou au Vieux Montréal. Donc ça, d'accord. Hop. Régler une chasse. Lisez le texte d'introduction dans le livret. Le récit vous propose de choisir entre deux approches pour vous nourrir. Celles-ci sont basées sur l'un des trois attributs, physique, social ou mental. En tant que groupe, faites un choix entre les deux options proposées. Remarque, certains personnages peuvent vous donner des dés bonus pour certains choix.
Cela ne signifie pas que le choix sera plus facile que l'autre. Choisissez à vos risques et périls. Exemple, scindez si Samuel Armstrong fait partie de la coterie. Ça, c'est sympa. Donc, en fait, le carnet se présente comme ça. Hein. On a quoi d'ailleurs? Oui, pour régler la chasse, pardon, j'avais perdu le fil. Alors, une fois votre choix effectué, chaque joueur lance un nombre de dés noirs égal à l'attribut choisi. Comptez le nombre de succès obtenus pour chaque joueur. Puis retournez la page et consultez le tableau pour trouver la difficulté appropriée pour votre test. Si vous avez obtenu un nombre de succès égal ou supérieur à la difficulté indiquée, la coterie réussit. Ah ouais, c'est par joueur. Lisez le paragraphe de succès. Si vous obtenez un nombre de succès inférieur à la difficulté, lisez le paragraphe d'échec. Ah oui, donc c'est relativement rapide à mettre en place, ça. À mettre en chasse, ça. Exemple, si vous avez choisi une approche physique, chaque joueur doit lancer un nombre de dés égal à son attribut physique. Donc là, Arène, par exemple, elle a 3. Elle jetterait 3 dés en physique. C'est à chier, c'est à chier, c'est à chier. Il n'y a pas de succès là. Si la somme de tous les succès que vous avez obtenus est égale ou supérieure à la difficulté du test, vous réussissez, sinon vous échouez. Remarque, vous pouvez utiliser votre volonté pendant une chasse. La volonté dépensée n'est pas récupérée lorsque vous commencez un chapitre. Ah ouais, ok. Donc, on peut décider de claquer de la volonté pour réussir la chasse, mais on sera pénalisé sur le démarrage du chapitre. Vous ne pouvez pas utiliser le sang, discipline ou puissance de sang, ou utiliser des cartes objets pendant une chasse. D'accord, on est forcément obligé de se débrouiller avec nos simples attributs. Si la chasse vous récompense avec un effet ou avec une carte objet, choisissez un joueur pour le prendre, sauf indication contraire. Vous pouvez alors commencer le chapitre suivant. Et après, on attaque le choix du chapitre. D'accord. Donc là, on a vu la fin de notre... de tout le matériel, etc. Ça, c'était dans la première vidéo. Là, on a vu comment était découpé un personnage. C'est plutôt nous, en tant que joueurs, qui allons découper les ennemis. Mais enfin, on a notre base de personnage avec ses valeurs, ses cartes et autres. On sait que avant de démarrer un chapitre, on peut faire un petit tour, une chasse, ce qui permet de réduire la soif à zéro. Et ensuite, on se lance dans un chapitre. Bah ça, on verra la prochaine fois comment on choisit un chapitre et puis comment on commence. On aura la notion de finir le chapitre, de s'intéresser aux PNJ et aux alliés. On saura aussi comment... Ah bah ouais, ça va être pas mal, on va s'intéresser aux jetons. Je pense qu'on aura le temps hein, de passer aux jetons, parce que... Ah, ça va représenter quand même 2-4 pages. Et mine de rien, par rapport à ce que ça amène comme réflexion, les manipulations, rien que 4 pages, on peut en avoir pour plus d'une heure. On verra bien. J'ai dit, on n'est pas pressé. Donc, après, on aura les jetons, les marqueurs principaux, d'autres marqueurs. Et un jour, on attaquera... Ça a failli faire boum dans la caméra. On attaquera le déroulement du jeu. Bien. Alors, bien ou pas bien jusqu'à présent ? J'évite maintenant de m'arrêter, d'arrêter de m'enflammer sur la moindre chose. Je vais essayer de temporiser quand même, parce que combien de fois, lors d'un déballage ou lors de simples survols de lecture,
On s'enflamme en disant ouais, ça a l'air vachement bien. Alors oui, pour le coup, ça a l'air vachement bien, mais pas trop de superlatifs. Là, vraiment concrètement, c'est très fun. Encore une fois, ça m'emmène bien dans l'univers du jeu de rôle Vampire la Mascarade. L'histoire de l'humanité, c'est très sympa. Les cartes combat, à voir comment ça tourne si c'est pas une usine à gaz. Méfiance. Et le problème, si c'est une usine à gaz, c'est qu'il n'y a quasiment pas de possibilité de passer outre pour moduler. Alors on l'a vu la dernière fois, on a le choix de jongler sur des niveaux de difficulté. Pourquoi pas? Ah bon, on n'en est pas là. Hein. Et puis, bah, l'histoire des disciplines aussi, ça peut être vraiment, vraiment fun. Bon, bah allez. Je vous salue, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si bah, éventuellement vous avez un avis qui peut changer par rapport à ce qu'on commence à voir, ou si vraiment il va falloir attendre de jouer et puis de voir ces histoires de modifications par rapport aux errata, quoi. Donc, eh bien donc, amis vampires de Montréal, on se dit normalement à demain. Hein. Là, j'ai calé cette phase de règles, découverte des règles, parce que tous les jours, normalement, je vais pouvoir faire une vidéo, c'est top. Donc, à demain, à très vite, à la prochaine. Salut, salut!